Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence en ligne intitulée « Science et pesticides, quand les intérêts privés s'en mêlent ». Cette conférence va se dérouler en deux temps, une première consacrée au débat qui va durer environ trois quarts d'heure, puis une deuxième séquence où vous pourrez poser des questions. Cette deuxième séquence durera environ une demi-heure, mais vous pouvez d'ores et déjà, enfin quand le débat aura commencé, poser des questions dans le fil qui seront sélectionnées. Tout de suite, j'appelle les trois intervenants qui sont tous les trois agronomes. Je commence par Pierre-Henri Gouillon. Bonjour Pierre-Henri. Donc Pierre-Henri Gouillon est professeur au Muséum national d'histoire naturelle à AgroParisTech Paris et à Sciences Po Paris, pardon, et à AgroParisTech. J'appelle maintenant Amandine Le Breton. Bonjour. Bonjour Amandine. Amandine est directrice plaidoyer et prospective à la Fondation Nicolas Hulot. Et enfin, j'appelle José Tissier. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour José. Donc, José est expert associé au conseil scientifique de la Fondation. Alors, ma première question sera pour Amandine. Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien entre cette conférence aujourd'hui et le livre que le conseil scientifique de la Fondation vient de publier, ainsi qu'une note sur le glyphosate qui sera envoyée aux participants à la fin de notre conférence? Oui, en fait, à l'occasion de ses 20 ans, le conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot a donc publié un livre paru en octobre aux éditions Odile Jacob, intitulé « Quelle science pour le monde à venir ?». L'ambition de ce livre, c'est d'abord de pointer du doigt les enjeux pour les sciences face aux défis du XXIe siècle, mais aussi d'identifier les leviers pour que la science contribue enfin pleinement à la transition écologique et sociale. Et donc, en complément de ce livre, la Fondation a initié la rédaction de deux Zooms, l'une sur science et glyphosate, pesticides, qui est le support de la discussion que nous avons aujourd'hui, et l'autre sur les sciences économiques, pour justement vraiment pouvoir illustrer les propos du livre. Donc, on a eu une conférence de présentation du livre le 5 novembre, et on a maintenant deux webinaires, le premier aujourd'hui sur les pesticides, et le second le 3 décembre, qui portera sur les sciences économiques, et où on aura la chance de voir intervenir Alain Grandjean, Laurent Cialhomme et Olivier Baudin. Merci Amandine. Donc effectivement, il y aura une deuxième conférence et on vous redonnera l'heure et le jour à la fin de cette conférence-ci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on commence par partir des constats qui sont à l'origine même de notre débat. Et le premier constat, c'est l'effondrement de la population animale, de certaines populations animales et notamment des insectes. Et pour ça, je vais passer la parole à Pierre-Henri. Est-ce que tu pourrais nous faire un point rapide sur cet effondrement et aussi nous dire pourquoi cela peut à terme impacter de façon irréversible la biodiversité? On constate donc depuis quelques dizaines d'années, disons 30 ans, que les effectifs des populations d'insectes s'effondrent. En gros, donc le seul chiffre qu'on ait qui soit un peu sérieux, il a été réalisé dans des zones protégées en Allemagne où on a vu que 80% de la biomasse d'insectes avait disparu en 30 ans. Hein. Et c'est un phénomène très général. Tout le monde a maintenant, c'est devenu un lieu commun de dire que les vieux comme moi se souviennent encore du temps où quand ils parcouraient quelques centaines de kilomètres sur l'autoroute, il fallait qu'ils nettoient leur pare-brise, alors que maintenant il n'y a plus besoin. Alors évidemment, ces insectes, c'est n'importe quels insectes, y compris bien sûr des insectes extrêmement utiles comme les abeilles, mais aussi comme les coccinelles qui mangent des pucerons, etc. Ça veut dire qu'on n'a plus de défense naturelle contre les ennemis des cultures, ce qui est quand même très embêtant, y compris pour l'agriculture. Et puis, on voit ça sur les insectes, mais en fait, on constate que c'est vrai aussi pour les batraciens, que c'est vrai aussi pour les reptiles, que c'est vrai aussi pour les oiseaux, pour les mammifères. Et donc, on a un effondrement généralisé des formes vivantes. Alors, il y a tous les animaux, mais il y a aussi les plantes. Il y a toute une série de plantes qui sont en difficulté. Et on imagine bien que si les insectes continuent à s'effondrer, à un moment ou à un autre, les problèmes de pollinisation vont devenir des problèmes très importants. Donc, c'est tout le monde vivant qui est menacé
par cette disparition globale. Alors, les insectes disparaissent certainement largement à cause des pesticides, on va y revenir, mais ces pesticides ont certainement aussi une action directe sur d'autres organismes comme les batraciens, en plus de l'action indirecte du fait de faire disparaître les insectes qui sont la nourriture principale de beaucoup de ces animaux. Donc, par la chaîne la chaîne trophique, hein, le fait que les organismes se mangent les uns les autres et que les écosystèmes sont des sommes de connexion entre organismes, eh bien, on est en train de voir s'effondrer tout le monde vivant qui nous entoure, et c'est extrêmement préoccupant. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais passer à un deuxième impact, enfin un deuxième constat qui est à l'origine de ce débat. Pierre-Henri, tu l'as dit, il n'y a pas que les petites bêtes qui sont impactées, il y a aussi les grosses comme nous. Et je voudrais parler de l'impact sur la santé humaine. Et pour ça, je vais passer la parole à José. Quels sont les principaux impacts établis sur la santé humaine, impact des pesticides? Parce qu'ils sont établis, c'est un fait. Bien, merci Juliette. Bonjour à tout le monde à nouveau. Alors avant d'entrer dans les détails, pas trop Juliette, mais je voudrais quand même rappeler que l'exposition aux pesticides est devenue un sujet de santé publique assez récemment, alors que les pesticides sont utilisés au moins depuis l'Antiquité. On connaît les sulfates d'arsenic pour traiter des champignons de la vigne. Les autorités publiques ne se sont emparées du sujet que dans les années 30 aux États-Unis, et c'est intéressant de remarquer qu'à une période où on essaye de lier problématiques sociales et problématiques environnementales, c'est précisément face à des luttes sociales, à des revendications portées y compris sur les tribunaux, une mobilisation de l'opinion publique via des médias, que les autorités américaines ont commencé à initier une politique publique qui perdure jusqu'à aujourd'hui sur ses fondements, avec deux points qu'on retrouve donc. Le premier, c'est rassurer les populations, garantir, ou en tout cas faire semblant garantir la santé des populations, pour mieux permettre de continuer à utiliser les pesticides qui étaient vus, qui sont toujours vus, comme un facteur de productivité de l'agriculture, un facteur de modernisation, avec une idéologie dont je reparlerai tout à l'heure, l'hygiène agricole, voilà. Alors, sur la question du lien pesticides-santé humaine, je crois que la référence en France, c'est l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a publié une grosse étude en 2013 qui devrait être réactualisée assez prochainement. L'INSERM a montré qu'une exposition aux pesticides est reliée positivement à l'apparition ou à l'augmentation du risque d'apparition d'un certain nombre de pathologies. Les plus fréquemment citées sont des cancers, par exemple des cancers de la prostate, des cancers du sein, des cancers du sang, de myélome, lymphome, et également des maladies neurologiques, Parkinson par exemple, assez souvent. L'INSERM attire l'attention par ailleurs sur la question des expositions au stade pour les femmes enceintes, au stade prénatal, et des jeunes enfants, très jeunes enfants, au stade périnatal. Et enfin, sur le fait qu'on n'est pas très très bien outillé en France pour suivre tout ça, parce qu'on n'a pas de recueil centralisé des utilisations région par région permettant de relier très très facilement l'apparition de telle pathologie avec d'autres. Alors, deux exemples peut-être. Le chlordécone qui a été utilisé sur les bananes aux Antilles très longtemps, trop longtemps, et avec pour lequel on a établi le lien avec un cancer de la prostate, et le glyphosate dont tu as fait un peu l'économie de toutes les pathologies qui sont susceptibles d'être causées par lui. Il y a un lien qui est absolument établi, c'est le lien entre le glyphosate et le lymphome non-Hodgkinien, une maladie du sang, mais également des problématiques qui renvoient des maladies des reins, des maladies, des perturbations endocriniennes, des troubles de la reproduction, des maladies au niveau du système nerveux périphérique, etc. Très bien, merci beaucoup José. Donc, et merci à tous les deux d'avoir posé un petit peu le cadre.
Alors, le problème avec cette table ronde sur ces pesticides, c'est que les intérêts privés, on ne va pas aborder tout de suite, parce qu'il y a un problème et des difficultés inhérentes à la recherche elle-même. Et je voudrais maintenant engager une partie du débat où on n'aborde pas encore l'ingérence des intérêts privés, mais on explique comment et pourquoi le problème est complexe par nature, parce que évidemment ça contribue beaucoup à favoriser, comme on le verra plus tard, l'ingérence des intérêts privés. Alors José, est-ce que tu peux reprendre la parole et nous expliquer en fait quel est le problème et en quoi notamment la discipline de la toxicologie n'est pas une science facile pour démontrer cela? Alors, le premier point à avoir bien en tête, en fait, c'est l'unicité du monde vivant. C'est-à-dire qu'un herbicide qui va cibler un modeste liseron, ben ça peut poser un problème de santé publique, ça peut poser un problème pour l'environnement général, la biodiversité. Pourquoi ? Parce que les principaux modes d'action des pesticides peuvent concerner tous les règnes du monde vivant, depuis les bactéries jusqu'aux animaux, en passant par les champignons, etc. Les mécanismes physiologiques qui correspondent à leur mode d'action sont en effet les mêmes ou très voisins. Il s'agit de bloquer la respiration cellulaire, d'interférer avec la production, la synthèse de protéines, de bloquer la division cellulaire ou l'accélérer, de ralentir la signalisation, les transferts d'informations par voie hormonale ou par voie nerveuse. On retombe sur les mêmes mécanismes. Alors, la question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile d'établir la toxicité pour l'homme de l'utilisation des pesticides? Il y a effectivement des difficultés inhérentes aux disciplines scientifiques qui sont mobilisées. La première d'entre elles, c'est la toxicologie. Elle intervient en tout premier lieu. Il ne s'agit pas de tester, bien sûr, la toxicité sur l'être humain pour des raisons éthiques évidentes. On procède à des tests sur les animaux, ce qu'on appelle des tests in vivo, ou des tests sur des cellules animales ou des cellules humaines, des tests in vitro. Mais on voit bien que dans cette démarche, en fait, on simplifie la réalité, on réduit la complexité du réel, ce qui va poser des problèmes de transposition, d'extrapolation à l'homme de tous les résultats qu'on pourra obtenir. Par exemple, on va mesurer, on va tester une exposition continue d'une matière active bien isolée, alors que dans la vraie vie, les agriculteurs, par exemple, sont exposés à une multiplicité de produits chimiques, de pesticides, dans le cadre des formulations commerciales, de façon discontinue, de façon diffuse. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions. C'est ce qu'on appelle les effets cocktails. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas à même en toxicologie de traiter effectivement les effets cocktails, les effets additifs ou les effets indirects. Un deuxième élément au passif de la toxicologie, c'est qu'elle s'appuie, la toxicologie de laboratoire qui est utilisée pour l'évaluation des pesticides, elle s'appuie sur un précepte qui date de la Renaissance, c'est la dose qui fait le poison. Alors ça marche pour les métaux lourds, mais ça marche pas pour tous les produits, en particulier les produits cancérigènes, puisque dès la première molécule, il peut y avoir potentiellement un cancer à la clé. Donc la raquette de la toxicologie, elle a des trous. Alors arrive au bout d'un certain nombre d'années l'épidémiologie, qui va, elle, observer des populations humaines, mais elle le fait après que le pesticide ait été utilisé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il lui faut assez de recul. Donc, elle arrive souvent à contredire des conclusions de la toxicologie, mais elle est confrontée elle-même à des difficultés, c'est de faire le lien entre une pathologie bien particulière et une matière active ou un pesticide bien particulier, puisqu'elle va travailler sur des populations qui vont être soumises à des facteurs pendant 20, 30 ans, et il n'est pas toujours facile de trier là-dedans. Il faut donc être très vigilant dans le traitement pour éviter les biais. Un biais, par exemple, très clair pour établir le lien entre le parathion et le cancer de la peau, eh bien,
S'il s'agit d'agriculteurs, il faut pouvoir éliminer le soleil, qui est un autre facteur qui est susceptible de poser ce genre de cancer. Ensuite, une fois qu'on a établi la corrélation, il faut pouvoir montrer la relation de cause à effet. C'est-à-dire qu'on est d'emblée dans un traitement statistique des données, ce qui n'est pas très simple, ce qui peut faire débat dans le choix statistique, mais surtout qui, une fois les résultats sont communiqués, peut donner lieu à une malinterprétation ou à des incompréhensions, en particulier quand il s'agit du grand public qui n'est pas toujours averti de la science statistique. Et donc, ça peut donner lieu assez facilement à manipulation. En réalité, une étude statistique ne fait pas le printemps. Il faut pouvoir croiser une multiplicité d'études. C'est pour ça que de plus en plus, on travaille avec ce qu'on appelle des méta-analyses qui essayent de synthétiser tout ça. C'est le cas, les progrès qu'on a dans la connaissance du glyphosate, par exemple, sont liés à ça. Et il y a également, je termine, il y a également un dernier élément, c'est qu'il faut être à même de donner des explications sur les mécanismes d'action du pesticide, et à ce moment-là, on commence à pouvoir annoncer des quasi-certitudes. Si on ajoute à ça qu'il y a souvent un délai, une latence entre la période d'exposition et l'arrivée de la pathologie, par exemple pour un cancer, il faut attendre au bien 15-20 ans, on comprend que l'industrie est beau jeu d'écarter les études qui lui sont défavorables et puisse cultiver ce qu'on appelle le doute et dire non, il n'y a pas de problème. On va en parler. Alors, merci beaucoup, José. Pierre-Henri, peut-être un mot là-dessus et une illustration avec les fameux néonicotinoïdes qui, effectivement, n'ont pas un effet direct, aigu, immédiat, mais la poursuite des recherches a permis de découvrir d'autres effets. C'est pas tant les néonicotinoïdes. Enfin, les néonicotinoïdes font partie de ces produits qui sont extrêmement actifs. Il faut savoir que les néonicotinoïdes, maintenant, on est sur des produits qui arrivent à agir au nanogramme sur les insectes. Hein. Et donc, concernant la biodiversité, les effets de ces produits sont énormes. Et la nouveauté, depuis une trentaine d'années, je pense qu'il faut peut-être que les gens le sachent, c'est que jusqu'à il y a une trentaine d'années, on traitait les champs quand il y avait des attaques. Quand un insecte attaquait les champs, on mettait un insecticide correspondant à cet insecte. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on fait. On traite à l'avance et systématiquement. C'est-à-dire que, en réalité, on sème des graines qui sont souvent déjà enrobées de pesticides. Lorsque la graine germe, la plante va s'imbiber du pesticide et toute sa vie, la plante contiendra ce pesticide. Qui plus est, évidemment, tout ça va partir dans l'eau qui ruisselle du champ. Ça va partir dans l'air parce qu'au moment où on sème les graines, il y a bien sûr des frottements entre les graines qui font partir les produits à l'extérieur. Le résultat étant donc que, depuis une trentaine d'années, on traite systématiquement quasiment tous les champs de France avec ces produits extrêmement toxiques. Alors, oui. Ce qui vient d'être dit, c'est important, c'est cette idée d'unicité du vivant. Il y a un article tout à fait remarquable paru il n'y a pas très longtemps, signé par les ingénieurs des entreprises elles-mêmes, hein, BASF, Bayer, Dow Chemicals, etc. Et cet article dit que, et on y reviendra un petit peu tout à l'heure, cet article dit que ces produits sont, 80% de ces produits sont toxiques pour des insectes non cibles. C'est-à-dire que, et les produits en question, c'est pas seulement les insecticides, c'est aussi les herbicides et les fongicides. Donc, nous avons un problème de toxicité globale de tous ces produits, hein, qui est reconnu par les entreprises, et on va voir tout à l'heure ce qu'ils en font de ce genre de données. Oui, global, mais du coup, c'est d'autant plus difficile d'incriminer un pesticide en particulier. C'est là où je voulais en venir. Alors, la publication dont je parle dit que 92% des insecticides, 75% des fongicides et 78% des herbicides tuent les abeilles. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est signé par des chercheurs des entreprises en question. Mais ils ne donnent pas la liste, mais on pourrait avoir la liste de ceux qui tuent et de ceux qui ne tuent pas. Ils l'ont, eux. Donc, j'espère qu'ils nous la donneront un jour. Et évidemment que si on peut dire tel pesticide a tel effet, ce qui est remarquable, c'est que c'est vraiment tous ces produits et que c'est 80% des produits qui ont cet effet. La,
évidemment, la conséquence qu'en tirent les auteurs de l'article en question, c'est qu'il ne faut pas interdire les produits sous prétexte qu'ils tuent les abeilles. D'accord. Donc, Amandine, pour clore cette partie sur les difficultés inhérentes à la recherche elle-même, j'avais envie de te poser une question, parce que est-ce que c'est facile de communiquer ça auprès du grand public? Comment communiquer sur cet enjeu sans trop simplifier? Comment vous faites à la Fondation? Oui, parce qu'à la Fondation, donc, on travaille beaucoup sur ces questions d'agriculture et en particulier les pesticides. Et comme viennent de le dire Pierre-Henri et José, et comme le dit aussi très bien le livre du Conseil scientifique, le doute est favorisé par la complexité. Et donc, ils viennent de présenter une première dimension à cette complexité avec celle liée aux produits, à leurs impacts dans les formulations, les effets cocktails, les impacts sur les populations d'abeilles. Et d'ailleurs, comme le disait très bien José, il y a beaucoup de travaux, des méta-analyses qui sont menées. Ça a été le cas de la Task Force sur les pesticides systémiques, qui réunissait 29 experts internationaux indépendants et qui a fait une méta-analyse notamment sur les néonicotinoïdes. Donc nous, sur cette base-là, en tant qu'ONG, c'est un appui de taille, en fait, pour aussi avoir des éléments, on va dire, un peu plus simplifiés que la complexité et l'univers de l'ensemble des études de recherche. Mais le deuxième élément de complexité à transmettre pour nous, et très spécifique justement aussi aux pesticides, c'est la complexité pour expliquer les alternatives à leur usage. Ça, c'est un point très particulier à l'agriculture, à la science agronomique. C'est-à-dire que l'usage des pesticides répond à une vision finalement simplifiée de l'agronomie. Il y a un problème, on a une solution qui est l'usage d'un pesticide à un moment donné. Or, en fait, on ne peut pas substituer cette solution pesticide par une seule alternative. Aujourd'hui, en fait, l'enjeu, ce n'est pas de prendre pesticide après pesticide, glyphosate, puis néonicotinoïde, puis d'autres, et puis essayer de les faire interdire. L'enjeu, c'est bien de changer l'ensemble du système agricole. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire pour nous, puisqu'on doit expliquer qu'à la solution simplifiée pesticide, on doit apporter une vision un peu plus complexifiée finalement du système agricole, puisque c'est bien le changement du système agricole qu'il faut penser. Et donc, là, on s'appuie sur la science agronomique. Donc, en fait, on a deux niveaux de complexité, nous, en tant qu'ONG, à essayer de transmettre à un plus grand public. Mais ce qu'on peut observer, c'est que tant que sur glyphosate, finalement, que sur les néonicotinoïdes ces dernières années, on remarque que les citoyens ont montré un grand intérêt, aussi une grande maturité, finalement, de compréhension sur ces enjeux, malgré le fait qu'on entende ça et là des formes de contre-vérité, notamment dans les débats parlementaires, hein, où on a un certain nombre d'exemples qui montre qu'on peut entendre quand même encore tout et n'importe quoi, même sur les néonicotinoïdes, et alors même qu'on a quand même beaucoup d'études, par exemple, qui montrent que les impacts avérés sur les populations, notamment d'abeilles. Mais donc, il y a une grande maturité des citoyens. Et nous, en tant qu'ONG, il nous faut aussi utiliser d'autres leviers, finalement, pour pouvoir rentrer dans cette complexité. Et c'est vrai que sur les néonicotinoïdes en particulier, finalement, on s'est aperçu que l'impact sur les pollinisateurs et le fait de travailler sur les pollinisateurs et les abeilles a été un levier en soi, quelque part, pour intéresser et interpeller le grand public. Je pense, pour ma part, que deux dimensions ont joué. La première, c'est une forme de proximité affective avec cet insecte. Donc, c'est vrai que pour nous, ça permet de rentrer sur un sujet et de pouvoir faire ce travail de pédagogie ensuite. Et le deuxième élément, à mon sens, c'est aussi les aspects économiques qui ont pu être relevés sur l'impact en fait et la valeur du service écosystémique de pollinisation qui a été chiffré à 153 milliards d'euros par an, par exemple, pour les abeilles, qui sont des compléments, on va dire, pédagogiques pour essayer d'intéresser, de faire comprendre toute cette complexité qui est le monde vivant et la manière dont on peut l'appréhender. Oui, et puis c'est d'autant plus difficile que maintenant il y a les réseaux sociaux et qu'il faut être hyper percutant et pas se tromper dans le message très court que vous faites passer, quoi. Et on a cette complexité-là, entre avoir une entrée d'un message très court, justement, c'est pour ça que je parlais de levier sur les abeilles, je pense que ça a aidé, on y reviendra tout à l'heure sur la séquence néonicotinoïde qui était assez intéressante, et puis malgré tout, le fait qu'il faille aussi essayer d'aborder cette complexité, parce que le vivant, c'est la complexité, donc si nous, en tant qu'ONG environnementale, ne faisons pas l'effort d'essayer de l'expliciter, de l'appréhender, je crains qu'on s'en éloigne collectivement peu à peu. D'accord. Donc, on essaie de faire cet effort-là, mais tout en ayant des leviers de communication qu'il faut qu'on essaye de toucher chacun dans ce qu'il est.
Ok, merci beaucoup. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, comment les intérêts privés se saisissent de ces difficultés. Donc, on l'a déjà abordé là dans la première partie, le doute est quand même constitutif de la démarche scientifique et les intérêts privés, en fait, se saisissent de cette arme et la retournent contre la recherche pour fabriquer du doute. Alors, finalement, José, je vais te repasser la parole en premier sur ce sujet pour introduire et dire rapidement en quoi la construction et le fonctionnement même du cadre administratif et réglementaire est défavorable à une production scientifique neutre. Oui, merci Juliette. Bon, rapidement, comme on vient de dire, le sujet est quand même assez compliqué. Le premier point à avoir en tête, c'est qu'effectivement, les intérêts privés peuvent être défendus efficacement, dans la légalité, en conformité avec les dispositions institutionnelles existantes. Bien sûr, il y a des pratiques borderlines, des pratiques illégales. Les Monsanto Papers ont attiré l'attention du grand public là-dessus. Mais pour l'essentiel, mon propos, c'est de montrer comment dans le quotidien, le cheminement normal des institutions, eh bien, l'industrie peut défendre ses intérêts de façon très efficace. D'accord, donc on ne va peut-être pas donner toutes les raisons, mais les principales, parce que le temps passe. La régulation d'abord, ce qui est intéressant de noter, c'est que elle est née non pas d'une attention sur les problématiques de santé, mais elle est née d'une volonté de faciliter les échanges commerciaux en faisant tomber ce qui s'appelait les normes non tarifaires. Donc, ça, c'est l'esprit un petit peu dans lequel on a mis en place toutes ces institutions. Et donc, dès le début, l'industrie a été sollicitée, a occupé toute sa place à la demande des autorités. Elle a réussi à imposer en fait une idéologie qui est celle de l'hygiène agricole, qui dans l'agriculture repose sur trois points assez simples. Le premier, c'est oui, les pesticides sont dangereux, oui, mais oui, nous pouvons en réguler l'usage, même jusqu'à réduire pratiquement à zéro le risque, pour autant que les agriculteurs, les opérateurs, suivent les recommandations qu'on leur fait et adoptent les bonnes pratiques. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important et qu'on retrouve encore dans, par exemple, quand l'ANSES donne un avis sur un pesticide, eh bien, elle se cale exclusivement dans le cadre du respect. On n'envisage jamais qu'il puisse y avoir du matériel défectueux, une météo contraire, même des erreurs humaines. Donc l'industrie a contribué à fixer un cadre institutionnel et elle le fait fonctionner largement à son avantage. Par exemple, c'est elle qui introduit les demandes d'autorisation sur la base des études qu'elle fait dans ses laboratoires ou qu'elle fait faire par des laboratoires qu'elle finance. Ce sont des études qui lui appartiennent, qui ne sont pas rendues publiques, qui ne sont pas critiquées par les pairs. Et quand elle démarre, quand elle remet le rapport aux instances de régulation, elle a donc le choix de produire les études qui l'arrangent. Elle peut écarter celles qui lui étaient défavorables. Et en général, il n'existe pas encore d'études indépendantes puisque la molécule, elle vient de sortir. Et donc, on est dans une situation très confortable pour l'industrie. Elle bénéficie donc du cadre réglementaire quand l'agence de régulation sélectionne les études qu'elle prend ou pas dans ses études. Elle bénéficie également de ce cadre réglementaire quand il s'agit d'évaluer ces mêmes études. Par exemple, on parle des critères de CLIMICH pour évaluer les études de toxicologie ou d'épidémiologie. CLIMICH, c'est un cadre de BASF qui, en son temps, a précisé les caractéristiques des études recevables. Et ce qui revient in fine à écarter les études académiques transparentes publiées dans des revues à comité de lecture au profit d'études faites par l'industrie elle-même et qui ne sont pas publiques et qui ne sont pas reproductibles. Un laboratoire indépendant ne peut pas les reprendre pour en vérifier la pertinence. Le dernier point, c'est que dans le processus post-autorisation, c'est-à-dire une fois
que l'on utilise le produit, c'est encore l'industrie qui est chargée de faire remonter les éventuels problèmes. Elle se trouve dans une situation jugée partie et elle en profite dans la mesure où en particulier les sanctions en France restent assez raisonnables, pour ne pas dire très faibles. Donc on comprend mieux que les agences de régulation, le FSA par exemple, puissent considérer que le glyphosate ne présente pas de problème pour la santé, ne puisse pas ramasser les problématiques des perturbateurs endocriniens par exemple. Ok, donc merci beaucoup José pour ce point très important parce qu'il est en fait il est assez peu connu du grand public et quand on regarde ça un petit peu de près, c'est complètement aberrant quoi. C'est cette espèce de construction qui fait que la vérité scientifique, si je puis dire, a beaucoup de mal à émerger dans le cadre réglementaire. Alors Pierre-Henri, sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment les marchands de doute exploitent ça? Oui, je voudrais commencer par une petite histoire. Hein. Dans les années 1950, on a commencé à se rendre compte que probablement le tabac était mauvais pour la santé, et en particulier causait le cancer du poumon. Quand je dis qu'on a commencé à se rendre compte, on s'est rendu compte bien avant, puisque Hitler avait décidé de faire la guerre à la cigarette. Hein. Dans les années 50, ça commence à chauffer un peu, et le 15 décembre 1953, une réunion se tient dans un hôtel à New York avec les grands cigarettiers et un ingénieur social. Alors, un ingénieur social, hein, c'est quelqu'un qui va faire de l'ingénierie de la société. C'est intéressant comme métier. Et donc, ce monsieur explique aux cigarettiers que si jamais ils se contentent de dire que ce n'est pas vrai, ils n'y arriveront pas, que ça ne marchera pas. Que ce qu'il faut, c'est créer une vaste controverse et arriver à faire passer l'idée que le cancer du poumon, c'est un truc multifactoriel, que c'est compliqué. Et vous voyez, moi, je pense qu'on a tort ici, nous tous, là, on est en train de dire que la situation est compliquée. Dès qu'on dit que c'est compliqué, eh ben, on sert un petit peu des intérêts malfaisants. Donc, effectivement, à l'époque, ils disent, voilà, il va falloir dire que le cancer du tabac, c'est compliqué, c'est multifactoriel, et que si on veut comprendre les causes, il faut faire plus de recherches. Évidemment, les chercheurs sont très facilement convaincus de ça, et ça va très, très bien marcher. Ils vont réussir à faire croire donc que c'est multifactoriel et que le tabac n'est qu'un des éléments parmi d'autres et qu'il y aurait besoin de beaucoup de recherches pour savoir, etc. Jusqu'aux années 90, ils vont gagner 40 ans, quasiment 50 ans, avant qu'on finisse par reconnaître officiellement qu'effectivement, ils se sont fichus de nous et qu'il y a des gens qui sont morts à cause d'eux. Voilà, eh bien, on est dans la même situation avec les pesticides aujourd'hui. C'est-à-dire que on a des phénomènes multifactoriels. Et c'est vrai que le cancer du poumon, c'est multifactoriel, on est bien d'accord. Simplement, la fumée de cigarette, c'était le facteur numéro un de très loin devant les autres. Et bien, aujourd'hui, on a un effondrement des populations d'insectes. Et cet effondrement, il est dû pour une immense majorité au problème des pesticides. Simplement, effectivement, le grand jeu des industriels, ça va être de faire croire que c'est multifactoriel et qu'il faut plus de recherche. Alors, comment ils font? Ils font des tas de trucs. Je vais pas vous faire la liste complète, c'est absolument infernal. Mais la première chose, déjà, qui est géniale, c'est sur le cas des abeilles, ça a été remarquablement travaillé. Il y a des très bons livres sur ces sujets de Stéphane Aurel et de Stéphane Foucard, je vous les conseille, en plus du livre de la Fondation Nicolas Hulot, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont favoriser toutes les recherches sur des causes autres que les pesticides. Donc, on va voir des programmes de recherche sur pourquoi les abeilles s'éteignent. Et au lieu de regarder en premier les pesticides, on va pas les regarder du tout. On va dire, ah ben oui, les abeilles, elles ont un problème à cause du varroa. Hein, c'est une petite bestiole, un acarien qui se fixe sur elle et puis qui éventuellement transmet des maladies. S'il y a un virus machin chouette, il y a les frelons asiatiques, il y a etc. etc. Mais ce sont des leurres. Comment ? Ce sont des leurres. Ce sont des leurres, c'est vrai. Simplement, effectivement, c'est une manière de ça crée un écran de fumée qui fait que derrière tout ça, on ne voit pas les pesticides. Et du coup, eh bien, vous allez. Quand on fait une méta-analyse, tiens, on va regarder la littérature, on va regarder les causes d'extinction des abeilles. Si jamais il y a eu plein d'argent pour travailler sur le varroa, eh bien, on va voir le varroa en premier. Les scientifiques, quand ils font des études, ils ont l'habitude de se battre contre une réalité qui ne se laisse pas toujours faire pour qu'on la comprenne. Ça, c'est ce qu'on sait faire, nous, en tant que scientifiques. Mais la réalité, elle ne fait pas exprès de nous tromper. Dans le cas présent, on fait exprès de nous tromper. On donne de l'argent aux laboratoires pour faire les recherches qui vont dans le bon sens par rapport aux industriels, et on ne donne pas d'argent pour faire des recherches qui vont dans le sens qui ne les intéresse pas. Et le résultat, c'est que, objectivement, si je regarde les publications, je ne vais pas voir que c'est les insecticides, enfin que c'est les pesticides le premier problème. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer, et ça marche très très bien. C'est-à-dire que si vous regardez tous les trucs
qui sont publiés sur pourquoi la biodiversité s'effondre, on va vous donner une multiplicité de raisons, exactement comme on disait pour le cancer du poumon dans les années 1950. On est dans la même situation, l'écran de fumée fonctionne très très bien, en plus ils ont eu 70 ans pour peaufiner leur technique, ils sont très très forts maintenant, ces ingénieurs sociaux, donc ils savent très très bien comment faire pour nous noyer, et nous scientifiques on se fait avoir. Demandez à un scientifique normalement constitué, qu'est-ce qui fait que les abeilles s'éteignent? Il va vous répondre que c'est multifactoriel, il va vous parler du varroa, c'est normal. C'est ça qui sort le plus dans la littérature à l'heure actuelle. Alors, il y a des très belles études qui ont été faites et qui montrent effectivement les effets massifs des pesticides sur les abeilles et qui en plus d'ailleurs montrent les effets massifs des pesticides sur la sensibilité au varroa, hein, parce que on parlait tout à l'heure d'interaction entre les différents facteurs. Évidemment, quand vous mettez un pesticide, eh ben, vous rendez la bête beaucoup plus sensible à tout quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études extraordinaires pour comprendre une chose. Ça fait 30 ans que les abeilles ont des problèmes. Bon. Et ça fait 30 ans que tous les insectes s'éteignent. Hein. On perd de la biomasse depuis 30 ans. Alors, ça serait extraordinaire que les abeilles, elles se cassent la figure à cause de raisons qui sont propres à elles et que tous les autres insectes, ça soit pour autre chose. Évidemment qu'il y a une raison globale. Et cette raison globale, on la connaît, c'est le fait d'employer des pesticides de plus en plus puissants et de plus en plus systématiques et systémiques. Et donc, on a maintenant une certitude, on sait que c'est ça quand on a bien compris le système, et pourtant, les industriels arrivent à nous faire croire le contraire grâce à cet écran de fumée. Donc, quand on vous dit, il y a un problème là, mais il est multifactoriel, il faut faire plus de recherches, méfiez-vous, il y a peut-être bien un industriel qui est en train de vous tromper derrière cette histoire. Ok. Donc, merci pour cette description de brouillard, si je puis dire. Amandine, pour terminer juste sur cette partie, donc le lobbying n'est pas un mot qui est réservé que aux industriels de l'agrochimie, les ONG font aussi du lobbying, mais est-ce que vous jouez à armes égales? Alors oui, on va peut-être pouvoir illustrer un petit peu ce brouillard et en quoi ça brouille tout le monde en effet. Bon, clairement, on peut prendre l'exemple de David contre Goliath, et ce n'est pas se plaindre juste pour se plaindre de dire qu'on ne joue pas à armes égales avec les lobbyistes et les industries phytopharmaceutiques. Un exemple qui est dans le livre du Conseil scientifique, à Bruxelles, les industriels des pesticides sont donc parmi les plus actifs, hein, des industriels, et par organisation, il est estimé qu'il y a environ 3 millions d'euros et 8 personnes à temps plein pour défendre les intérêts. Sans compter évidemment les représentants du secteur agricole, dont une majorité ou en tout cas une partie d'entre eux défendent cette vision de l'agriculture. On voit bien l'armée qu'il y a de disponible pour défendre une vision de l'agriculture versus, alors nous, nos organisations. Si on prend les organisations françaises, on est souvent un ou deux chargés de mission par organisation pour défendre et pour essayer d'expliciter ces enjeux. Et si je prends l'exemple de Pesticide Action Network Europe, donc travaille à Bruxelles sur spécifiquement la question des pesticides, ils sont 6. Donc on voit bien que là, on est devant un monstre. Et sachant que c'est bien à ce niveau-là que se décident les autorisations. C'est par exemple à l'échelle européenne qui est autorisée la matière active. Et que, donc du coup, l'essentiel des méthodes qui servent à évaluer les pesticides sont conçues et encouragées par l'industrie. Donc on voit bien que c'est le serpent qui se mord la queue et qui va jusqu'à la communication et qui va jusqu'aux méthodes que vient de décrire Pierre-Henri. Un point seulement pour compléter, parce que je crois qu'on est un peu tenu par le temps. C'est vrai qu'il y a le lobbying et tu parlais de la place des citoyens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe quand même une double pression des citoyens et de la justice, et on est très loin hein, d'atteindre une vision de transformation de l'agriculture et de la réduction drastique des pesticides. Mais malgré tout, il y a des exemples qui sont intéressants à noter, comme par exemple la victoire de Paul François, intoxiqué au lasso et qui a gagné contre Monsanto récemment, ou la Cour de justice de l'Union européenne qui, en 2019, a annulé les décisions de l'EFSA qui refusaient justement de divulguer les études de toxicité pour des raisons commerciales. Ça, c'est des choses qui montrent qu'il y a une vigilance accrue. Le travail sur les Monsanto Papers n'est pas pour rien, voilà, ça tire des sonnettes d'alarme, mais on est très très loin de l'efficience de ça, on est très très loin d'arriver à inverser la tendance. Et j'aurais donné un petit exemple absolument vraiment d'aujourd'hui de ce qui est en train de se passer sur ce plan-là. Je vous ai dit donc qu'il y avait un article publié par les ingénieurs des grandes entreprises productrices de pesticides qui montrait que les effets chroniques de leurs produits sur les abeilles étaient mauvais.
Donc, comment ça se fait, ça? Eh bien, c'est parce que l'EFSA, donc l'organisme européen qui s'occupe de ces autorisations, en 2013, a proposé de regarder les effets chroniques des pesticides sur les abeilles. Ils ont proposé un protocole, et c'est ce protocole qu'ont testé les ingénieurs des entreprises. Et selon ce protocole, on interdirait en gros donc 80% de leurs molécules. Ils en déduisent donc qu'on ne peut pas mettre ce protocole en place parce qu'on ne peut pas interdire 80% de leurs molécules. Et donc, ils sont en train de réussir, en tout cas, ils sont en train d'essayer actuellement au niveau européen de faire passer l'idée que quand on va tester l'effet d'un pesticide, il va falloir comparer l'effet de ce pesticide avec l'effet d'un milieu normal sur les abeilles. Eh bien, un milieu normal, d'après eux, ça doit contenir les pesticides. C'est-à-dire que le milieu normal contient les pesticides et comme ça sera super parce que quand vous testerez un pesticide, vous testerez un pesticide contre un pesticide et du coup, vous ne verrez pas les effets. Vous voyez, ça, c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Il y a une lutte actuellement sur cette question-là. Hein. Et en tout cas, pour le moment, depuis 2013, le protocole qu'avait proposé l'EFSA n'est pas mis en place. Il y a un organisme qui s'appelle le SCOPAF qui est chargé de mettre en place ce genre de choses. Il ne le fait pas depuis 2013. La médiatrice... Alors, vous pouvez dire ce que c'est que l'EFSA et le SCOPAF? Alors, l'EFSA, c'est donc l'agence qui évalue les produits avant de donner des autorisations ou pas, mais elle en fait des protocoles qui doivent être. Et le SCOPAF, c'est vraiment un truc qui émerge de la Commission européenne elle-même hein, et qui va fabriquer des règles à partir de là. Et le SCOPAF ne met pas les règles en place à partir de ce qu'a proposé l'EFSA. Et l'association des apiculteurs Pollinis a demandé à la Commission européenne de donner les raisons pour lesquelles le SCOPAF ne mettait pas les règles en place, pour lesquelles, en gros, la Commission européenne ne met pas en place les règles proposées par l'EFSA. On leur a refusé ces informations. Et comme vient de le dire Amandine, il faut parfois se battre, mais pour le moment, on n'arrive pas à obtenir les informations sur les discussions qu'il y a eu. L'association Pollinis a été systématiquement déboutée. La médiatrice européenne a intimé l'ordre à la Commission européenne de donner ces informations et la Commission européenne a encore refusé, c'était en 2019, de donner ces informations. Donc, on sait qu'à l'heure actuelle, la toxicité chronique sur les abeilles, donc sur tous les insectes, n'est absolument pas regardée quand on autorise un pesticide. Et du coup, il n'y a pas à s'étonner. Hein, vous voyez bien, ça veut dire quoi, la toxicité chronique? Actuellement, on regarde que la toxicité aiguë. C'est-à-dire, je regarde, je mets le produit, est-ce que l'insecte meurt hein, avec des études de toxicité chronique, évidemment, on conclurait que le tabac ne fait aucun mal aux humains. Vous pouvez fumer 40 cigarettes dans la journée, vous ne serez pas mort le soir. Hein. Donc, avec les techniques qu'on emploie actuellement, eh bien, c'est très facile de ne pas voir les effets catastrophiques des pesticides. Je pense que José a très bien montré pourquoi les entreprises ont mis en place les tests qui permettaient de faire ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans une situation où il faudrait vraiment une vraie mobilisation des citoyens pour que ça change. Et à l'heure actuelle, eh bien, ce n'est pas encore suffisant. Oui, mais si, regarde, il y a plein de personnes qui nous écoutent. Donc, avant de conclure sur la partie politique, j'ai juste encore une question pour toi, Pierre-Henri. Spécifiquement, qu'on doit quand même poser dans cette table ronde, c'est comment expliquer que certains scientifiques se laissent un peu instrumentaliser et rentrent dans ce jeu? Je pense que José et Amandine ont donné la réponse. Le problème est idéologique. Hein. Il y a un vrai problème de choix. Il y a des gens qui croient que la technique, c'est la seule chose qui nous permettra de nous sauver et que donc il faut ajouter des techniques aux techniques. Et si jamais nos techniques font du mal, on va trouver d'autres techniques pour faire du mieux. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a des gens qui sont en train de dire, j'ai vu un article il n'y a pas si longtemps que ça dans l'Express qui expliquait que pour sauver les abeilles, on allait faire du microbiote transgénique pour abeilles qui résiste aux pesticides. Voilà, ça fait, vous voyez, on a une technique, on va faire de l'autre technique. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont dans cette logique-là. Ces gens-là, en général, ils tiennent le haut des pavés dans les systèmes scientifiques parce que c'est ça qui apporte du fric, c'est ça qui est financé. Je dois vous dire quand même que demain, tous les laboratoires de recherche français seront en grève et les chercheurs français seront dans la rue pour manifester, bien que d'ailleurs les préfectures leur aient pas donné l'autorisation parce que la nouvelle loi sur la recherche est en train de rendre encore plus dépendants les laboratoires par rapport aux industriels. Et Dieu sait qu'il l'était déjà. Actuellement, c'est très difficile de faire de la recherche sans recevoir de l'argent des industriels. Dès lors qu'on reçoit de l'argent des industriels, on n'est plus tout à fait neutre. Et dès lors, en plus, qu'on dépend complètement des industriels pour travailler, eh ben, on devient des employés des industriels. C'est ce qui se passe pour beaucoup de chercheurs. Je pense que inconsciemment, ils pensent qu'effectivement, ils font le bien en faisant ce qu'ils font. Mais du coup, ben, ils promeuvent un système, tout un système, qui est fondé sur une technique de plus en plus destructive. On ne voit pas
que ce qu'il faut remettre en cause, c'est vraiment notre modèle agricole dans son ensemble. D'accord. J'espère que cette table ronde, ce toilinaire, permettra aux auditeurs de s'en rendre compte. Oui, je ne connaissais pas. Donc, pour résumer, il y a un peu deux raisons, une raison idéologique et puis une raison financière. Absolument, et les deux sont absolument indémêlables. D'accord, ok. Donc, on va terminer parce qu'il faut vraiment laisser de la place. Alors, vas-y, José. Tu veux ajouter rapidement, il y a aussi les perspectives de carrière. Oui. Le pantouflage qui existe, c'est-à-dire qui touche peut-être plus les experts des agences de régulation d'ailleurs que les scientifiques dans les instituts de recherche. Mais quand vous êtes à caresser l'espoir de rejoindre un jour la multinationale qui va multiplier par 3 ou 4 votre niveau de salaire, peut-être que ça vous incite à être un petit peu plus souple, un petit peu plus à l'écoute des arguments de l'industrie, votre futur potentiel employeur. Non, on ne veut pas entendre ça, En tout cas, le livre Les marchands de doute, écrit par Naomi Oreskes et Richard Conway, montre très très bien l'intrication des aspects idéologiques et des aspects financiers dans les décisions des scientifiques d'aller de ce côté-là. D'accord. Bon, alors on va conclure parce que je le disais, il faut laisser de la place à toutes les questions qui me parviennent. On va conclure sur, bien sûr, un pan très important, un acteur très important qui est le politique et les pouvoirs publics. Et je vais passer la parole en premier à Amandine parce que je pense que vous avez tous quelque chose à dire là-dessus. Mais Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer, notamment avec le dernier épisode sur les néonicotinoïdes là, qui vient de se dérouler sous nos yeux depuis quelques semaines, comment le politique prend position, comment il s'empare de cette problématique ? Comme on vient de le dire, en fait, donc la science est confrontée à 3 contraintes, donc financière, idéologique et politique. Et c'est vrai que nous, au quotidien, on voit les tensions entre science et politique sont continues à 2 niveaux. D'abord, parce que les questions et les problématiques sont orientées et organisées par les politiques eux-mêmes, puisqu'il y a une prise de parole qui est organisée, des politiques sont plus présentes dans les médias, proactives, aussi un choix de calendrier. Si je prends l'exemple des néonicotinoïdes, on apprend en plein milieu du mois de juillet, fin du mois de juillet, qu'on revient à une loi qui ouvre la dérogation aux néonicotinoïdes. Donc là, ça prend tout le monde de court. Voilà, donc le choix du calendrier n'est, à mon sens, absolument pas anodin. Et le deuxième niveau, c'est la question du temps long, souvent opposée aux urgences économiques, aux urgences sociales, etc. L'idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas de questions économiques et sociales. L'idée est d'avoir une vue d'ensemble et une projection sur le long terme, et j'y reviendrai. Donc pour reprendre l'exemple des pesticides néonicotinoïdes, finalement, on pourrait faire l'hypothèse que les éléments scientifiques dont on dispose quand même depuis un certain nombre d'années seraient la base de discussion et que les discussions politiques puissent porter exclusivement sur le pas de temps, la méthode, les alternatives, le calendrier. Évidemment, il n'en est rien puisqu'à chaque discussion politique, la question de ce qui est vrai et n'est pas vrai sur un pesticide, par exemple, est remise au débat. Et ça, c'est assez fascinant à observer, notamment sur les néonicotinoïdes, puisqu'on a quand même eu l'impression de vivre un bis repetita de ce qu'on a vécu en 2016. 2016, on a une loi sur la biodiversité. La Fondation, avec d'autres organisations, arrive à mettre dans cette loi la question des néonicotinoïdes. Donc, on a eu des débats très longs à l'Assemblée nationale, au Sénat, très, très intéressants. Donc, des débats sur ce qu'on sait de l'impact des néonicotinoïdes sur les populations d'abeilles et de pollinisateurs, qui arrivent in fine à une interdiction, donc 4 ans après, 2020, de l'ensemble des néonicotinoïdes en France. Donc, finalement, le débat, on l'a eu. On apprend cette année, en plein mois de juillet, qu'on réouvre la discussion des néonicotinoïdes, donc on réouvre le débat, parce qu'on a des problématiques économiques que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, passer la surprise de devoir revivre un moment qui a été vécu par les uns et les autres comme un moment de débat, d'ailleurs relativement intéressant, mais qui a posé une vision finalement à 4 ans d'une partie des pratiques agricoles, on réouvre ce débat et c'est bien, on va dire, le politique, là, le gouvernement, qui au-delà des questions de régression du droit d'environnement que ça pose, je ne vais pas ouvrir le sujet, mais qui réouvre le débat d'autoriser des dérogations sur les néonicotinoïdes. Donc voilà, on a une loi en juillet, enfin l'ouverture sur la discussion d'une loi qui permettait de rouvrir les dérogations pour les néonicotinoïdes pour les betteraves, puisque l'argument premier qui nous a été renvoyé, c'est, vous comprenez, il y a une
un contexte économique extrêmement tendu pour la filière de betterave à sucre. Et le seul moyen, l'unique, nous a dit le ministre de l'Agriculture, que par ailleurs on a pu discuter, le seul et l'unique moyen, c'est d'ouvrir la dérogation aux néonicotinoïdes. Donc, ce qu'il faut savoir sur la filière betteravière, parce que c'est intéressant de dire malgré tout, elle est en grande difficulté structurelle, c'est-à-dire que ce n'est pas à cause de la réapparition de la jaunisse cette année qu'on a une filière de betterave à sucre absolument dans le rouge. Depuis la fin des quotas sucriers, on a une production sucrière française qui chute, les prix mondiaux du sucre sont en berne et en fait, il y a toujours cette concurrence mondiale qui s'accélère. Là aussi, c'est multifactoriel. Oui, mais surtout une dimension économique sur ce coup-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la fermeture de 4 sites qui a été programmée ces dernières années. Voilà. Donc la filière betterave, elle a pas à sucre, elle n'a pas attendu les néonicotinoïdes pour ne pas aller bien. En revanche, les abeilles ont été le bouc émissaire de cette décision. Et quand nous, on arrivait auprès des politiques pour dire, mais finalement, il y a sûrement une alternative, parce que le plus dur avait été fait en 2016, et revenir sur une décision de cet ordre, c'est d'une part brouiller les cartes pour l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi s'asseoir sur des débats et sur ce que dit la science, on nous dit que rien n'était possible. Donc, la prévalence des questions économiques, nous, on la voit tous les jours, hein, la question des emplois, vous comprenez, etc., ça va être compliqué. C'est surtout les sujets de la transition écologique. Donc, nous, côté Fondation Nicolas Hulot, l'idée, c'est absolument pas de dire qu'il ne faut pas tenir compte des questions économiques et sociales, mais on doit maintenant considérer qu'il faut garder les deux de front. Et sur les néonicotinoïdes, typiquement là, ces derniers mois, on aurait pu faire les choses autrement. Et notamment, la Fondation, on proposait de pouvoir aider les betteraviers qui auraient été en grande difficulté pour certains, puisque ça n'a pas été le cas de tous, sous condition, donc avec une conditionnalité de mise en place d'un certain nombre de pratiques qui permettraient de sortir de cette dépendance, puisque, comme tous les pesticides, il faut prévoir et pouvoir anticiper une évolution du système agricole, remettre des haies, des rotations longues, etc. Mais ça, évidemment, c'est absolument ce qu'on n'a pas fait pendant 4 ans, une fois que la loi biodiversité a été votée en 2016. Donc, on voit bien que finalement, il y a aussi une utilisation du calendrier, des enjeux, etc., qui fait fi d'états et d'éléments scientifiques qu'on a pu même discuter par ailleurs. D'accord, donc merci. Oui, et, enfin, moi je rajoute juste un truc au débat, c'est qui a été assez peu dit en fait, c'est que s'il y a eu autant de problèmes avec les betteraves cette année, c'est en partie à cause du changement climatique et le fait qu'il a fait plus chaud, que ça a favorisé, ça fait rire Pierre-Henri parce que je case quelque chose sur le changement climatique, mais ça a quand même favorisé l'essor des pucerons, non? Oui, et par ailleurs… Ce qui favorise beaucoup l'essor des pucerons, c'est le fait qu'avec les néonicotinoïdes, on tue les coccinelles. Oui. ça se mord la queue, c'est drôlement bien, vous voyez. Ouais. Et on a choisi quand même d'apporter une solution conjoncturelle à un problème structurel, qui est celui de la filière de betterave, qui n'est absolument plus adaptée au marché actuel. Et donc ça, c'est un décalage de vision, mais c'est une vision utilitariste de l'économie et de la science, finalement. Alors, je pense qu'on va avoir l'occasion de reparler de ces questions politiques via les questions des internautes. Et je voudrais commencer cette séquence parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais pas tant que ça. Je vais donc commencer par la question de Aline qui dit, pardon, les lobbies… Excusez-moi. Si les politiques publiques sont influencées par les industriels, comment mettre en place un lobbying de la part des scientifiques? Autrement dit, comment améliorer le lien science-politique? Moi, je voudrais répondre que le problème n'est pas là. Les scientifiques ne sont pas moins influencés par les lobbies que les politiques. Voilà le problème. Donc, en réalité, à l'heure actuelle, ce n'est pas le problème de la science, c'est le problème d'une vision de quelle agriculture on veut et dans quel monde on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où on a détruit tous les êtres vivants, sauf ceux qui nous intéressent, avec évidemment le risque, on le sait bien, que si jamais il n'y a plus que les êtres vivants qui nous intéressent, et nous, sur Terre, toutes les maladies de la Terre vont se concentrer là-dessus, et on est en train de le voir avec la Covid, hein, mais,
Mais c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de détruire tout ce qui n'est pas les plantes qu'on cultive et les animaux qu'on élève. Si jamais c'est ce monde-là que vous voulez, ben votez pour les pesticides. Si vous voulez un monde où on habite dans le monde avec d'autres êtres vivants, où on coexiste avec le reste de la nature, alors il faut arrêter cette folie. Et ça, le problème, c'est que les scientifiques, sur ce plan-là, ils sont pas plus malins que les autres. C'est des problèmes de perception philosophique du monde. Et vous savez, il y a plein de scientifiques qui pensent que ben, si jamais il y a des trucs qui nous embêtent, eh ben, il n'y a qu'à les tuer et puis c'est tout. Ce n'est pas un problème seulement de science. Évidemment qu'il y a des faits scientifiques qui montrent un certain nombre de choses, mais le problème, comme on l'a vu, c'est un problème de système. Si on veut réfléchir à quel système on veut, eh bien, il faut que ce soit tous les citoyens et pas simplement les scientifiques. José ? Oui, pour donner une réponse un petit peu positive quand même. Les scientifiques se mobilisent aussi. Enfin, Pierre-Henri est quand même bien placé pour le savoir. Je voudrais donner l'exemple des SDHI, c'est un fongicide qui bloque la respiration cellulaire et qui est un danger extrêmement important. Bien actuellement, on a pour la première fois peut-être d'ailleurs à ce stade une mobilisation très forte des scientifiques pour essayer de pousser les autorités à appliquer le principe de précaution, et c'est une histoire qui est en cours. Hein. C'est un donc les scientifiques se bougent aussi quand ils sont directement concernés. Bien sûr que certains scientifiques se bougent, hein, je disais pas le contraire. Maintenant, si jamais vous allez dans les institutions globales, la direction du CNRS ou l'Académie des sciences, vous allez tomber quand même sur une bande de fous furieux va en guerre contre la nature. D'accord. Alors, je passe à une autre question qu'on me signale. Attendez, où est-elle ? Alors, de Carole, le droit à la mise en danger de la vie d'autrui, peut-on l'opposer aux politiques ? CF, l'affaire du siècle. Alors ça rejoint un petit peu l'annonce qui a été faite il y a deux jours, même hier, par les ministres de la Transition et les ministres et le ministre de la Justice. Qui parle de délit d'écocide. Vous avez vu passer ça ? Donc, il y a une question qui dit, est-ce que le droit, la mise en danger de la vie d'autrui peut être opposable aux politiques, comme l'a fait l'affaire du siècle ? En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est quand même que la dimension juridique, que ce soit sur l'affaire du siècle, là, sur plutôt la protection des citoyens face au changement climatique, mais aussi sur les pesticides, fait du chemin. Ce qu'on n'observait pas il y a un certain nombre d'années, et je pense qu'on peut le voir vraiment d'un bon œil. Donc, sur les propositions qu'ont fait les ministres ce week-end, on peut dire que c'est une avancée, parce qu'on reconnaît le délit d'écocide. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails là. Donc, après, il faut analyser ce que ça veut dire concrètement et encore toute la mise en œuvre. Mais on voit bien que l'outil juridique devient un outil de plus en plus pris en main, que ce soit par les politiques et par les citoyens. Et donc, je pense que ça fait partie des cartes qu'on a dans nos mains pour faire imposer un certain nombre de choses à l'État ou aux industriels. Il y a beaucoup de questions, José. Oui, rapidement, tu veux compléter ? C'était opposable aux politiques, mais surtout à l'industrie. Monsanto a perdu à peu près tous ses procès aux États-Unis sur le glyphosate, sur des questions de savoir est-ce qu'ils étaient au courant ou pas que leurs produits étaient cancérigènes, et quand ils l'étaient, est-ce qu'ils en ont averti le public ? Ça a été un des arguments forts que les tribunaux américains leur ont opposé et les ont condamnés. Alors, il y a une question pour Amandine que je trouve intéressante, parce qu'en fait, il faut bien proposer autre chose. Alors, Amandine, tu l'as évoqué, mais Marine te demande, est-ce que tu peux préciser quelle était l'aide proposée par la Fondation concrètement aux betteraviers, quand on sait que l'argument économique est toujours utilisé comme un moyen de chantage contre les pratiques environnementales? En fait, à la Fondation, alors évidemment, l'idée pour nous, c'est jamais de faire fi des problèmes économiques et des contextes économiques, puisque, comme nous l'a fait remarquer le ministre, une fois qu'on a dit que pendant 4 ans, on n'avait rien fait, ce qu'il a admis lui-même, il faut quand même faire quelque chose. Et lui, sa solution, c'était de faire revenir les néonicotinoïdes. Nous, celle qu'on a proposée, c'est plutôt de réfléchir à une manière, évidemment, de compenser les pertes économiques, donc d'évaluer les pertes de rendement pour les betteraviers en l'occurrence, et d'apporter une aide, mais qui soit conditionnée.
C'est-à-dire qu'on a eu la même approche pour le plan de relance, hein, c'est-à-dire qu'on peut soutenir le secteur économique, mais il faut l'engager dans une transformation sur le long terme et donc conditionner les aides à un certain nombre de choses. Donc finalement, c'est ce qu'on avait proposé au ministère de l'Agriculture, de pouvoir, si les acteurs, enfin les betteraviers étaient en difficulté, proposer une aide à l'hectare, mais qui soit conditionnée au fait de mettre un certain nombre de pratiques agronomiques en place. Donc la réintroduction de haies, l'allongement encore un peu plus long des rotations, un certain nombre de techniques de biocontrôle, etc. Donc quelque part de faire du gagnant-gagnant. On entend une difficulté économique si elle est évaluée, mais en revanche, ça demande un engagement des acteurs derrière. Donc ça, pour nous, c'est ce qui permet de recréer vraiment un contrat social entre la société et notamment là ici les agriculteurs. C'est-à-dire que c'est, à mon sens, assez inaudible de la part d'un grand public, de voir notamment par exemple Barbara Pompili soutenir la fin des néonicotinoïdes en 2016, ne rien dire en 2020, et puis surtout laisser faire pour les années à venir, parce que ce qui nous interpelle aussi beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun engagement qui ferait qu'on ne revient pas sur le débat dans 4 ans, finalement. Donc voilà, c'était le sens de la proposition, une aide éco-conditionnée. Et alors, pourquoi vous n'avez pas été écouté? Le ministre nous dit qu'il a essayé de regarder dans quels espaces européens, français, il pouvait identifier cette aide, de faire appel au fonds d'indemnisation, etc., et que c'était absolument impossible. Donc, une fois qu'on nous dit que c'est impossible, c'est impossible. Donc, en fait, on en est là. C'est-à-dire qu'à notre sens… Jusqu'au bout du… Voilà, de… Lui nous dit être allé jusqu'au bout, mais ce qui nous interpelle, c'est que, en fait, le débat n'est pas venu par bout. C'est-à-dire que le débat n'a pas été posé dans le sens où les betteraviers ont un souci, on identifie la question de la jaunisse et des pucerons. On aurait pu discuter avec le ministère de l'Agriculture et lui discuter avec nous et tous les autres acteurs des solutions à mettre en œuvre pour gérer cette crise. Non. Dans le même bloc, le 23 juillet, on nous a dit il y a un problème de jaunisse sur les pucerons. Le ministère de l'Agriculture a décidé d'ouvrir une dérogation aux betteraviers sur les néonicotinoïdes, dont on sait par ailleurs que depuis 4 ans, il tape à la porte du ministère pour avoir chaque dérogation chaque année. Donc voilà, on peut être un peu dubitatif sur l'approche qui a été faite de ce dossier. José ? Oui, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'en fait, cette politique, elle est surdéterminée par la politique commerciale ou économique. Je l'ai montré à plusieurs reprises, c'est à nouveau le cas. C'est-à-dire que si on maintenait l'interdiction des néonicotinoïdes, effectivement, alors que les pays voisins, eux, produisent de la betterave et du sucre avec dérogation, eh bien, on introduit un différentiel et la profession se mobilise là-dessus. Et la réponse qu'on fait, c'est pas il faut régler le problème au niveau européen et que tous les pays harmonisent véritablement leur politique. On repart en arrière parce que prime la dimension commerciale et économique. J'ai montré à plusieurs reprises que c'est ce qui a fondé toute la régulation du secteur. C'est toujours ce point commercial. Et tant qu'on en est là, effectivement, on est en situation délicate. Alors là, il y a une question. Oui. Juste un mini point, parce que cette question des règles commerciales, elle est essentielle. À la Fondation, on travaille depuis 4 ou 5 ans sur l'évolution des politiques commerciales. Et notamment, l'une des propositions qu'on fait, c'est de mettre en place des mesures miroirs. C'est-à-dire le fait de pouvoir interdire l'importation de produits traités avec des pesticides ou des intrants qu'on n'utilise pas, qui sont interdits en France et en Europe. Évidemment qu'il y a une question de distorsion de concurrence à un moment, puisqu'on peut importer des produits traités avec du glyphosate, etc. Alors, on peut avoir le discours d'une Europe exemplaire, d'une France exemplaire qu'on peut avoir, mais aussi à un moment, il faut des politiques qui protègent. Et les politiques commerciales, aujourd'hui, elles ne protègent pas. Elles mettent à tout vent les producteurs sur les marchés internationaux, et c'est le cas du sucre en France. D'accord. Alors, il y a une question qui est aussi bien pour les intervenants que pour les journalistes qui nous écoutent. Comment bien informer les citoyens quand la majorité des médias officiels sont payés par les lobbyistes? Quelle est l'indépendance des médias grand public sur ces sujets? Mais je voudrais vous répondre au moins sur un point, c'est que l'un des principaux acteurs de ces questions sur les pesticides en France, c'est Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde. Donc, qui est effectivement la cible
de tous les trolls à la solde des producteurs de pesticides, y compris d'ailleurs dans la communauté scientifique. Donc, il y a des journalistes qui arrivent à faire leur travail dans les conditions actuelles. Je suppose que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas dans tous les journaux, mais ça existe et je veux reconnaître là le fait que ces journalistes sont courageux et font leur travail très, très bien. Je ne cite pas Juliette, bien sûr, qui est ici et qui, du coup, prouve bien son courage, elle aussi. Vous voulez dire quelque chose, Amandine, José, sur ce sujet ? Alors, non. Alors, on me pose une question sur une entrée. Oups, qui vient de sauter là, pardon. Parce qu'il y en a beaucoup, une entrée subsaharienne dans les recherches scientifiques alternatives permettant d'opposer au discours de Monsanto des pistes sérieuses sur les maladies locales des plantes. Alors, une entrée subsaharienne dans les recherches scientifiques alternatives, est-ce qu'il y a une façon… C'est trop spécial, on n'est pas au courant, on ne peut pas répondre. Bon, ok. Une autre question, quelle est la réforme du cadre réglementaire qui permettrait d'assurer un véritable contrôle scientifique des pesticides ? Ben ça, je crois que José, en fait, il faut tout changer, non ? Ben, il faut changer beaucoup de choses. Ceci dit, ma conviction quand j'ai commencé à me pencher sur ces questions, c'est que la solution, elle passe par l'interdiction de tous les pesticides. En fait, quand on regarde... quand on regarde l'histoire des pesticides, petit à petit, bon, au début, l'autorisation, c'est facile. L'industrie joue sur du velours, c'est les tests toxicologiques. Et puis, on a vu que le dispositif faisait qu'en fait, c'était ceux qui sont présentés par l'industrie. J'entends bien qu'elle a dû en écarter elle-même quand la toxicité aiguë était trop forte. Bon. Mais sinon, ce qu'elle présente, en général, il y a une autorisation assez facilement. Et il va falloir attendre 20 ans, 30 ans pour que on commence à faire remonter au niveau des études sur le terrain, d'observation. Ça a été le cas, par exemple, au Sri Lanka sur le glyphosate dans les rizières, où on a commencé à observer un taux de maladies rénales extrêmement alarmant et qu'on n'expliquait pas, etc. Bon. C'est un peu l'histoire de tous les pesticides. Au fil des décennies, on finit par se rendre compte qu'ils ont un impact négatif sur la santé humaine, qu'ils ont un impact négatif sur l'environnement. Donc, pour moi, voilà. Alors, après, dans un court terme, bien sûr qu'on peut améliorer le système. Enfin, je vais aller assez vite. C'est tous les éléments qu'on a pointés. Il faut, bien sûr, davantage faire la place à l'épidémiologie, donc ça demande du temps. Il faut davantage s'intéresser à tout ce qui est exposition à bas bruit, à faible dose, prendre en compte les expositions quand il y a la matière active, elle est associée à un adjuvant. L'adjuvant est parfois plus dangereux que la matière active, ou en tout cas, il y a des effets et les effets cocktails que tu évoquais, où les deux deviennent de plus en renforcent leur toxicité. Il faut pouvoir aborder toutes ces questions, prendre les effets sur l'environnement, les effets indirects, sont également des éléments très importants à considérer. Il suffit pas simplement de regarder si telle espèce va être impactée. Il faut voir encore les conséquences sur les fonctions systémiques, voir les conséquences sur d'autres populations. Mais tout ça passe par quoi ? Par le Parlement européen ? Qu'est-ce qu'il faut Non, mais attends, moi je pense qu'il faut quand même, il faut bien se rendre compte que tout ça ne peut marcher que si on change de modèle agricole. Notre modèle agricole actuel, il est fondé sur les pesticides. On fabrique des variétés de plantes qui sont parfaitement homogènes, qui sont sensibles à toutes les maladies. Et après, du coup, on a besoin de tas de pesticides pour soigner ces plantes. Si on veut arriver à réguler les pesticides, il faut faire de l'agroécologie. C'est ce que disait Amandine tout à l'heure dans ce qu'elle demandait à ses betteraviers
pour leur donner des aides. Si jamais il faut passer à l'agroécologie, il faut faire une agriculture beaucoup plus savante que l'agriculture actuelle, une agriculture qui prenne en compte les relations entre les organismes vivants qui sont dans les champs, ceux qui sont sur les bords des champs, ceux qui sont autour, etc. Il faut dans les champs remettre de la diversité génétique, il faut arrêter de cultiver des milliers d'hectares avec la même variété. Tant qu'on fera ça, on n'arrivera pas à s'en passer. Et du coup, on sera dans un conflit constant où il y aura des gens qui diront « Ah oui, vous m'interdisez des pesticides, mais je peux pas parce que regardez, si je mets pas de pesticides, toutes mes plantes meurent. Si jamais toutes ces plantes meurent, c'est qu'il ne met pas les bonnes plantes. Donc il faut, et qu'il ne les met pas dans les bonnes conditions. Donc il faut absolument revoir le système agricole dans son ensemble, et à ce moment-là, on peut espérer moraliser un petit peu le système des pesticides, mais on ne peut pas moraliser le système des pesticides sans changer le reste, c'est pas possible. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une réforme de la PAC. Très courtement, le Parlement européen a adopté des propositions de réforme, il y a, je crois, en fin 2019, qui constituerait une étape très intéressante. À ce stade, je n'ai pas eu connaissance qu'elle soit examinée par les États membres et qu'elle soit doivent se traduire en tête de loi. Mais il y a des avancées dans cette position. Alors, je voudrais juste faire une petite reprise là sur la question concernant les journalistes, parce que je vois qu'il y a eu des réactions assez mécontentes. Donc, moi, c'est une question qui m'a été remontée. Donc, je ne vais pas être à la fois jugée partie, mais il est évident que sans le travail des journalistes, on ne pourrait même pas faire le quart de ce débat. Puisque c'est grâce notamment à ceux du Monde, puisque Pierre-Henri l'a dit, qu'on sait autant de choses. Et donc, je conseille à tout le monde de suivre tous les articles, notamment des deux Stéphane, alors il n'y a pas qu'eux, évidemment, mais qui font un travail remarquable et continu sur toutes les études qui sortent sur les pesticides. Voilà. Alors, parce que je voulais faire cette petite mise au point. Je vois que la question a pu être mal prise. Alors, les traitements préventifs existent encore pour les légumes industriels, mais beaucoup moins pour les légumes frais. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les fruits, demande Emmanuel. Donc, on me remonte cette question, mais les traitements préventifs. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Écoutez, moi, je ne m'y connais pas du tout en traitement des fruits, donc je ne pourrais pas vous répondre précisément. Ouais. Enfin, ce qu'on nous dit, c'est que quand on mange une pomme, en général, elle a eu plusieurs dizaines de traitements. Je ne pense pas qu'ils aient tous a posteriori. Donc, je suis à peu près sûr qu'il y a des traitements préventifs sur les fruits. Alors, et par ailleurs, c'est là où… Pardon, Juliette, c'est là où en fait où c'est la vision de l'agriculture et de l'approche de l'agriculture dont parlait Pierre-Henri tout à l'heure. Moi, je voulais revenir sur un point qui me semble assez intéressant, c'est que en fait, là, on est absolument schizophrène. On a un plan éco-phyto qui a été initié en 2008, qui donnait des objectifs ambitieux à 2018. Donc, c'était de réduire de 50% l'usage des pesticides en 10 ans. C'est un plan qui a bénéficié de 40 millions d'euros par an. Donc, ça peut paraître beaucoup sur le papier, mais en fait, quand on voit que la PAC, c'est 9 milliards par an en France, on se dit que finalement, l'intention était assez faible. Mais si encore on avait une politique agricole qui venait abonder cette vision et ces objectifs, on aurait pu se dire que finalement, on tire dans le même sens et qu'on a une forme de cohérence des politiques publiques. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est vraiment le sentiment d'être écartelé entre des politiques mastodontes comme la PAC, qui assoit ce modèle dont on parle depuis tout à l'heure, donc avec cette vision préventive en fait de l'usage des pesticides, cette vision l'usage a priori en fait des pesticides, et puis des plans qui visent à corriger à la marge des défaillances comme ce plan. Amandine, on pourrait peut-être donner le résultat du plan Ecofito, de combien on a réduit les pesticides? Eh ben, on les a réduits de moins 25%. Autrement dit, on les a augmentés de 25%. Voilà. Donc, en fait, là, on en est là après 12 ans de plan éco-phyto, une augmentation de 25% des pesticides avec, on va dire, je crois que c'est entre 700 et 800 millions d'euros mis sur 12 ans sur le plan éco-phyto. Donc, l'argent public aujourd'hui a concouru à augmenter les pesticides de 25%. Donc, c'est là où la vision dont parle Pierre-Henri, elle est fondamentale. Tant qu'on ne partage pas cette vision commune, on ne met pas les moyens pour y arriver. Alors, et pour un peu, la Fondation va publier en janvier prochain une étude qui analyse les financements privés et publics qui concourent ou non à la sortie des pesticides. Donc, je ne vais pas livrer les informations là, mais
Il y a des belles surprises. Ouais, ça va faire mal. Alors, j'ai une question qui pourrait servir peut-être de conclusion, puisqu'il est 43, mais après vous me dites, hein, on peut continuer. L'émergence, alors c'est une question de Patrick, l'émergence d'un projet politique s'appuyant sur le changement de philosophie nécessaire évoqué par Pierre, enfin évoqué par vous tous, hein, notamment l'agroécologie. Donc, cette émergence vous semble-t-elle encore réaliste ? Je vais répondre en premier, ça laissera aux autres le temps de voir ce qu'ils veulent dire. Moi, je voudrais dire qu'elle me semble d'autant plus réaliste qu'elle est inévitable. Je pense que notre système agricole va dans le mur. Il va dans le mur et quand on voit l'histoire des betteraviers dont on parlait tout à l'heure, ils se cassent la figure et ils prétendent que c'est à cause des pucerons, alors qu'en réalité, c'est à cause du modèle dans lequel ils se sont placés. Les agriculteurs sont malheureux pour la plupart. Les agriculteurs souffrent dans leurs exploitations. Parce qu'actuellement, le système agricole est mal fait et le système agricole ne leur permet pas de vivre décemment. Et on leur raconte qu'il faut encore plus détruire tout ce qui traîne autour d'eux pour arriver à mieux survivre. Et ils savent bien qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Je pense que de plus en plus, les agriculteurs sont dans une situation impossible de se rendre compte qu'ils sont en train de détruire l'environnement dans lequel ils sont et de ne pas réussir à survivre malgré ça. Je pense que ce système est à bout de souffle et il se cassera la figure d'une manière ou d'une autre. Alors, plus on le fera intelligemment, plus on le fera progressivement, plus on mettra en place une agroécologie saine qui permette de nourrir les gens sans détruire tout ce qu'il y a autour, plus on le fera de façon douce et accompagnée, mieux ça sera. Si on attend que tout se casse la figure, eh ben tout se cassera la figure, on le refabriquera après. Ça fera beaucoup plus mal, c'est tout. Amandine, est-ce que c'est encore réaliste ? Mais je pense qu'il faut que ça le soit pour nous, pour notre santé mentale, nous les ONG. Mais pas que, non, je rejoins absolument Pierre-Henri parce que, en fait, on sent bien les chiffres d'augmentation de la bio, les nouveaux installés, enfin, les nouvelles installations d'agriculture montrent qu'il y a une appétence, en fait, pour ces nouveaux modèles. La question, c'est comment on accompagne. Alors, moi, ma conviction, c'est qu'il y a une partie des agriculteurs qui ne changeront jamais, mais il y a une partie qui changeront. Si on leur donne des signaux, des outils et si on est cohérent en termes de politique publique. Moi, la question que je me pose, c'est dans quel pas de temps on peut réussir à faire ça ? Parce que la fragilisation de nos écosystèmes contribue aussi à l'accélération finalement des impacts du changement climatique. Et on sait qu'en fait, on est dans un contexte d'urgence. Donc, moi, je rejoins Pierre-Henri sur le fait que ça arrivera. Ma question, c'est quand ? Donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de pousser tous les leviers, comme on sait que c'est des phénomènes d'emballement, voilà, c'est ce contre quoi on joue. Ok, José, un mot de conclusion Pour répondre à la question, s'il s'agit de savoir si c'est réaliste, je dirais que ce n'est pas réaliste, c'est réel, c'est en cours, il faut aller voir, tu viens de citer les agriculteurs engagés dans l'agriculture biologique ou dans l'agriculture bioéquitable. C'est des agriculteurs qui s'organisent, il y a des centres de recherche où ils sont en première ligne sur la recherche de solutions, je pense au CIVAM par exemple, même l'Institut de recherche agronomique qui a longtemps été, on va dire, le moteur du développement de notre agriculture dite conventionnelle, aujourd'hui s'intéresse de façon croissante à ces problématiques. Et donc, elles sont réelles. La question, c'est quand se fera la bascule. C'est la question que tu viens de poser, mais toutes ces démarches, elles existent, tous les jours, elles progressent et elles prouvent que c'est possible. Donc on peut terminer sur cette note quand même optimiste, hein, qu'il y a des signaux faibles, mais il y en a de plus en plus, et tout ça va finir par aboutir. Notamment grâce à votre travail à tous les trois et au travail de la Fondation et au livre qui vient d'être publié. Et sur l'agriculture biologique, on est sorti des signaux faibles, hein, au niveau de la consommation. Oui, non, je parlais de la politique. On est obligé d'importer des produits d'autres pays pour servir la demande nationale. On n'est plus dans les signaux faibles. Donc on voit bien qu'il y a ce fameux triangle, toujours le consommateur qui, lui, est prêt à basculer ou a déjà basculé. Et puis les pouvoirs publics et l'industrie, et que voilà, il faut que les trois s'accordent ensemble pour que ça se passe. Alors, il me reste à vous remercier tous les trois, à remercier tous les gens, Juliette,
qui nous ont suivis et ont posé des questions, et a également annoncé la prochaine conférence. Alors, comment tu as dit, Toilinaire. Voilà. Voilà, Toilinaire. Voilà, le 3 décembre à 17h30 avec Laurence Yalom, Alain Grangelan et Olivier Baudin. Donc, ça sera sur l'aspect économie, écologie. Voilà. Écoutez, merci à tous. Je vois que beaucoup de personnes demandaient des sources et de la documentation. Donc ça, Amandine, je pense que ça sera… Oui, on enverra tous d'une part la note sur le glyphosate et puis on pourra envoyer peut-être associé à ça des liens sur des articles qu'on a pu faire, des articles de Pierre-Henri, de José. On essaiera de faire quelque chose de plus large et plus complet. Voilà, et notamment, on a beaucoup demandé la note, j'ai vu passer la note que tu citais, Pierre-Henri, enfin la note où les industriels disent… Oui. Voilà. J'ai mis le lien dans un texte qui est sur le site de la Fondation, on pourra donner un lien vers ça. Voilà, et le site d'Alain Grangelan, je crois aussi. Voilà. Merci. Bon, eh ben merci beaucoup à tous et bien. À toutes, et même à toutes et à tous, et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt.